Bonjour à tous. Once again, you're going to read with me in view to improve your French pronunciation. So listen carefully the text the first time and read it with me the second time. These texts are extracted from one of my books, Le Retour des Druides, La Terre en Danger. Let's go! Il avança, pas à pas, regardant de tous côtés. Tout était calme et silencieux. Soudain, il vit un énorme volatile foncer sur lui. Alexandre l'esquiva de justesse. Il mit quelques secondes à réaliser que cette créature n'était autre qu'une chauve-souris géante. Celle qui l'avait blessée auparavant n'avait rien de comparable. La chauve-souris, dont l'envergure surprenante laissait deviner une puissance destructrice, déploya ses ailes et plongea à nouveau sur lui. Now, together. Il avança, pas à pas, regardant de tous côtés. Tout était calme et silencieux. Soudain, il vit un énorme volatile foncer sur lui. Alexandre l'esquiva de justesse. Il mit quelques secondes à réaliser que cette créature n'était autre qu'une chauve-souris géante. Celle qui l'avait blessée auparavant n'avait rien de comparable. La chauve-souris, dont l'envergure surprenante laissait deviner une puissance destructrice, déploya ses ailes et plongea à nouveau sur lui. Victoria prit les deux mains de son fils dans les siennes. « Alexandre, la nature reprend ses droits. L'homme l'a trop maltraité. Les analyses des spécialistes sont formelles. Nous avons détruit notre planète par notre pollution, nos abus en tout genre, notre déforestation massive. Tout le monde a peur. Aux quatre coins du monde, les gens prient pour avoir une seconde chance. » Now, together. Victoria prit les deux mains de son fils dans les siennes. « Alexandre, la nature reprend ses droits. L'homme l'a trop maltraité. Les analyses des spécialistes sont formelles. Nous avons détruit notre planète par notre pollution, nos abus en tout genre, notre déforestation massive. Tout le monde a peur. Aux quatre coins du monde, les gens prient pour avoir une seconde chance. I hope you have enjoyed this video. See you soon. À bientôt.